الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، روى البيهقي في الشعر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبت لغافل ولا يغفل عنه، وعجبت لمن يؤمل الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي عنه أم سخط عنه رب العباد. L'imam al-Bayhaqi a rapporté dans son livre Al-Shu'ab que Al-Nabi alayhi salatu wa salam a dit: je suis étonné d'une personne qui est distrait, mais on ne sera jamais distrait de lui, c'est-à-dire les anges écrivent ses actes et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait. Je suis étonné d'une personne qui espère la dunya et la mort le cherche. Et je suis étonné de la personne qui rigole en plein bouche, voilà. Et il ne sait pas est-ce qu'Allah l'a agréé ou plutôt il n'est pas agréé. Yani, kayfa tastati' an tadhhak mala fik wa anta la tadri aradi Allah radi anka rabbul ibad am sakhatun alayk. Comment tu arrives à rire de tout le cœur en plein bouche et tu ne sais pas est-ce que tu es agréé par Allah ou non? Tu espères la dunya, mais tu sais très bien que la mort te cherche. Et tu es distrait, mais bien sûr, un jour il y a un terme et tu vas être prêt et tous tes actes sont pris, sont écrits, sont notés par les anges Raqib et Atid. إذن المطلوب من ابن آدم ألا يكون غافلا. L'être humain ne doit pas être distrait dans ce bas monde. وجاء في الحديث من كانت الدنيا همته فرق الله عليه أمره. Celui dont la motivation c'est la dunya, il bouge pour la dunya. Tu lui donnes un overtime, un deuxième travail, il est là. Tu lui donnes un petit service, là, ta'ala, j'ai pas du temps, je suis fatigué, il y a beaucoup de travail, il y a la famille et les enfants. من كانت همته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. Celui dont la motivation c'est la dunya, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est la nourriture, c'est les vacances. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il soit perdu, il sera distrait et la pauvreté est entre ses yeux. Et de toute façon, ces gens, des gens, ils seront dans la peur d'être pauvres et ces gens-là, ils s'inquiètent pour la pauvreté dans le futur. Ils vivent comme un pauvre même s'il a les moyens. من كانت همته الله من كانت همته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولو كان ذا مال كثير لأنك تراه خائف من الفقر والجوع خائف ما عنده توكل كامل على الله سبحانه وتعالى. Tu le trouves dans l'inquiétude, il a peur de jours noirs, il a peur qu'il y aura un manque, alors il vit dans la pauvreté comme un pauvre même s'il est riche. Et toujours comme on vient de dire, sa motivation c'est la dunya. Alors il sera perdu et il ne trouve pas une concentration dans le bien. ولم يأتي منها إلا ما كتب له. Il n'aura rien de la dunya sauf ce qui était prescrit. تطلع تنزل لا تأخذ إلا ما كتب لك. Tu fais ce que tu veux, tu n'obtiens que ce que Allah سبحانه وتعالى a prédestiné. ما فيك تأخذ أكثر مما كتب لك. Tu n'arriveras pas à prendre plus que ce qui est prédestiné pour toi, même un grain de riz ou un grain de raisin ou quelque chose. Tu n'auras ni une banane en moins, ni une banane en plus, ni une date en moins, ni une date en plus. Ce qui est prédestiné, tu l'auras. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Maintenant, c'est celui dont l'intention c'est l'au-delà. يُرِيدُ الْآخِرَةُ. Il cherche l'au-delà. Il veut obtenir plus pour l'au-delà. Il sacrifie ses biens fi sabilillah. Il passe son temps fi sabilillah. Il cherche à apprendre et enseigner. Il cherche à ordonner le bien et blâmer le blâmable. Son intention c'est l'akhirah. Son intention c'est le jour dernier. Ce bas monde ce n'est qu'un passage. On prend ce qu'on a besoin et on s'entraide pour la religion. هذا هو. ومن كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه. Allah Ta'ala lui donne la richesse dans le cœur, même s'il n'a pas assez moyens dans le cœur, dans la main.
dans le cœur, il est riche parce que il trouve un peu du pain avec l'huile d'olive. Il dit, c'est très bien ça. Masha'Allah, ça vient du halal. Il observe que ça vient du halal, alors il est très content. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Il a un habit ou deux, ça suffit, alhamdulillah. Oui, lorsque je lave celui-là, il y a l'autre. Alors qu'il ne le trouve pas, qu'il s'inquiète, qu'il a peur. Il dit, voilà, je vis actuellement ce que je avec mes moyens, mais le mot subhanallah wa bihamdi, c'est-à-dire celui qui aura ça, aura un arbre en or, un palmier en or. Subhanallah wa bihamdi, aura un palmier en or. Est-ce qu'il y a un travail dans le bas-monde, si tu travailles, tu peux avoir un arbre en or? Sans fruit, un arbre en or, sans fruit. Parce que ça, c'est un fruit dans chaque date comme une jarre sans noyau. Et vous voyez les dates, Algérie, Soukari, Majhoul, ces dates qui sont magnifiques, alors que ça n'a rien à voir avec les dates dans le paradis. C'est un arbre dans le paradis en or, et c'est un palmier en or avec les dates mûres sans noyau. Si on dit Subhanallah wa bihamdi. Mais alors avec ça, lorsque tu entends ça et tu cherches le bas monde, et tu cours derrière le bas monde. Mais si tu travailles toute la vie, tu n'auras pas quelque chose équivalent à un seul arbre en or de parmi le paradis, ou un arbre, un palmier en or, ou comme un habit, ou comme le minimum de celui qui a l'embellissement, le moins gradé parmi les musulmans. Si on prend les bijoux qu'il le porte, équivalent à tout bijou sur terre, ce qu'il porte, le minimum parmi les musulmans dans le paradis est meilleur que tous les bijoux sur terre. شوفتوا قديش في حلي في الدنيا أقل أهل الجنة حليه أغلى من حلي أهل الأرض مجتمعين. بعد هذا بدك تركض ورا الدنيا. Malgré ça, tu veux courir derrière le bas monde. Parce que tu me dis quoi? Tu peux يعني tu restes combien dans le bas monde? يا بتكون إنسان فطن فبتاخد في كل يوم خيرات soit tu sois intelligent et prends tous les jours des bons actes, les cinq prières, on essaye de le faire avec le khushu' et en groupe. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Chaque jour, ça c'est le meilleur acte dans la journée pour un croyant. وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Le meilleur de vos actes, c'est la prière. Alors je la fais en groupe avec khushu', concentration et lillahi ta'ala. Et je cherche par la suite, à droite, à gauche, qu'est-ce que je peux faire pour le jour dernier. مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الْآخِرَةِ جعل الله غناه في قلبه وجمع له أمره. Alors tu le trouves, il sait qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il veut, il sait son but, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il a quelque chose à chercher. C'est quoi? De ce qui vient de le bas monde, je ne cherche que le halal. S'il vient, c'est bon, s'il ne vient pas, ça tu m'intéresses pas, parce que Sayyidina Muhammad n'a pas eu la dunya et c'est pas une chose importante. Ne vaut pas l'aile d'un moustique. Il ne faut pas que je cours derrière. De toute façon, je serai sous la terre. À quoi courir derrière? Et lorsqu'ils me mettent sous la terre, ils ne mettent pas avec moi ni de l'or, ni de l'argent, ni les autres choses que tu aimes. Bon, j'ai vu sur certains tombes, ils mettent certains jouets. Mais oui, ils aimaient se jouer, ils mettaient ça sur la tombe. Et quand tu parles dans la nuit, l'enfant ou celui-là, il sort pour jouer, ça ne va pas à la tête. Bon, Ahmad Ashraf, il lui ouvre un tuyau comme ça jusqu'à la tombe. Il lui met les bananes, il met les oranges. Depuis le haut là, il descend vers la tombe. Les bananes, les oranges, les pommes. Oui, parce que le mort, il s'assoit comme ça, il commande. Mais à quoi? C'est des fous, des fois, qui pensent qu'on peut aider le mort. Il est mort et tu ne peux rien faire. Et d'ailleurs, il ouvre la tombe à un certain moment, avant qu'il soit complètement rangé, ils le mettent dans un sac, puis après ils font une fête, puis après ils le mettent dans un tissu en soie, et c'est terrible. Alors, soyez parmi les gens qui cherchent l'au-delà. Allah Ta'ala met la richesse dans le cœur et il vous donne une concentration dans votre but, dans ce bas monde. جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه أمره. Il sait comment faire les choses et comment passer les jours dans le bien. وأتته الدنيا وهي راغمة. Et le bas monde arrive malgré lui. Il fuit et le bas monde arrive jusqu'à lui. Le bas monde arrive. Il y a des gens qui courent, qui fuient du bas monde et le bas monde arrive vers lui. Alors il prend et il donne.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: إذا جاءك من هذا المال من غير شرح من غير تطلع فتموله، فإن كنت بحاجة فأنفقه على أهلك وعلى عيالك، وإلا فأنفقه في سبيل الله. Il a dit, Sayyidina Muhammad, Abdullah ibn Omar, que si un bien, c'est-à-dire un ami, un frère, il t'a donné un cadeau, il y a un bien qui est venu, sans que le cœur soit attaché, tu n'as pas demandé, tu n'as pas couru derrière, mais il est venu vers toi. Et il a dit de le prendre. Pourquoi? Parce que c'est un signe de modestie. Des fois, l'ego de la personne et la fierté, ou oh non, je prends rien. Tu prends parce que ça fait plaisir à l'autre. Celui-là, il t'a donné avec une bonne intention. Si tu as besoin, tu dépenses pour toi et ta famille. Si tu n'as pas besoin, toi-même, tu dépenses, fils-à-bille-là. Et toi-même, tu dépenses. Des fois, la personne, il pense que, voilà, tu es dans le besoin. Et toi, tu n'es pas dans le besoin. Je prends par modestie. Et après, je dépense là où il faut. Pour telle femme veuve, pour telle femme enfant orphelin, pour telle famille pauvre, pour telle chose et telle chose. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه